Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Chocolate Girl on Fleek. Pour continuer le défi routine capillaire 100% naturelle, à mon avis, il était nécessaire de vous montrer le masque protéiné. Alors ici, c'est un masque 100% fait maison avec des produits de mon placard. C'est parti, générique! Alors voici le masque protéiné que je vais préparer devant vous sous vos yeux. C'est également un masque issu de la chaîne YouTube de Vivi que je ne présente plus. Voici de quoi j'ai besoin. Alors un applicateur, du miel bio, de l'huile de ricin. Également de l'huile d'olive. J'ajoute un yaourt grec nature, un entonnoir et des ustensiles de cuisine pour mélanger. Je commence par prendre les deux œufs que je n'ai pas présentés, que je présente maintenant. Je les casse, je verse dans le bol en face de moi. J'ajoute le yaourt grec. Je racle bien jusqu'au fond du pot. Je verse dans le bol 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Désolée pour le cadrage. J'ajoute également une cuillère à café de miel et une cuillère à café d'huile de ricin. Et je mélange le tout bien, 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 bien mélangé pour avoir une texture onctueuse. Et pour finir, je prends mon applicateur et à l'aide de mon entonnoir, je vais verser le tout. Le masque dans mon applicateur. Regardez-moi cette texture magnifique. Voilà, j'essuie un peu les gouttes qui débordent. C'est parti pour l'application. Alors, j'avais déjà fait les deux premières étapes qui étaient le pré-poux et le shampoing à base de poudre indienne qui est dans ma première vidéo. Ma partie 1. Et là, de nouveau, j'ai passé une nuit avec mes cheveux, ils sont bien secs et on peut appliquer le masque protéiné ou n'importe quel masque juste après le shampoing. Moi, j'ai choisi d'attendre le lendemain pour appliquer mon masque. Alors, je sectionne mes cheveux en quatre parties. Une fois les quatre parties finies, je vais commencer à appliquer mon masque. Alors la méthode est toujours la même que pour le pré-poux, par exemple. Avant de commencer, bien entendu, je sécurise mes vêtements, je mets une petite serviette et nous pouvons commencer par l'application. Donc je mets d'abord de l'eau tiède pour ouvrir mes écailles, pour détendre mes cheveux puisqu'ils sont bien secs. J'effectue un démêlage au doigt délicatement. Ici, la vidéo est en accéléré.
Ensuite, je resectionne cette partie en deux. Et enfin, je commence l'application. Alors, j'hésite toujours. Je commence par appliquer le masque sur mon cuir chevelu, ensuite sur la paume de mes mains, pour pouvoir répartir le masque sur toute la longueur du cheveu. Je masse aussi bien, je masse au niveau des longueurs et je termine en faisant une vanille que j'enroule autour de lui-même. Alors je recommence, là c'est très en accéléré. Je mets le masque sur le cuir chevelu, ensuite sur la longueur de mes cheveux et je prends le soin et le temps de bien répartir tout le masque sur tout mon cheveu. Enfin, je fais une vanille et je l'enroule autour d'elle. Là, maintenant, je vais bien vous montrer. Je mets d'abord de l'eau tiède pour ouvrir les écailles. Je masse. Là, j'ai resectionné puisque la partie, elle était trop grosse. Ensuite, je répartis le masque sur mon cuir chevelu. Je frotte puisque le masque peut vous servir de shampoing. C'est ce que parfois fait Vivi. Ensuite, je répartis tout le masque sur la longueur de mon cheveu. Je prends le soin de démêler au doigt si nécessaire. J'étire un peu mes cheveux pour terminer en faisant une vanille que j'enroule sur elle-même. Alors, il est conseillé d'effectuer le masque protéiné environ une à deux fois par mois, pas plus. Une à deux fois permet de garder les cheveux en bonne santé. Quand on a une surutilisation du masque protéiné ou en tout cas des protéines, cela peut avoir un effet nocif pour les cheveux et les rendre très secs et encore plus les fragiliser. Les soins et les masques qui sont riches en protéines permettent réparation, renforcement et reconstruction de nos cheveux. Ils apportent donc du volume, les cheveux sont beaucoup plus épais, ils renforcent également la fibre capillaire et redéfinissent les boucles et l'élasticité des cheveux. Il faut savoir que le cheveu, plutôt les cheveux, se composent de 90% de kératine. La kératine étant un groupe de protéines naturelles produit par le corps. C'est donc la matière première des cheveux. Des cheveux qui sont en manque de protéines sont sensiblement des cheveux fragilisés. Et comment on peut le remarquer ça ? Alors, on peut le remarquer si on trouve que nos cheveux ont une perte de texture naturelle, ou on a des cheveux cassants, ou la fibre capillaire est rêche. En somme, les cheveux sont clairement abîmés. Les cheveux qui peuvent avoir besoin de protéines sont des cheveux ayant subi une modification de type chimique, comme le défrisage ou les colorations. Maintenant, je vais encore vous montrer comment je fais pour appliquer mon masque protéiné. Alors là, j'ai fait deux sections. J'ai bien sûr hydraté dans un premier temps. Ouh là, j'ai été très vite. Ensuite, j'ai appliqué à la racine. Et pour finir, au niveau des longueurs. Là, je vous fais une vanille pour sécuriser les cheveux. Ensuite, je l'ai tourné sur elle-même pour faire des petites boules. Voilà, j'ai terminé l'application de mon masque. Maintenant, je vais vous montrer la quantité de cheveux que j'ai perdu. Vous voyez, très peu. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, je mets mon bonnet en plastique pour sécuriser le tout, surtout les petites gouttes qui dégoulinent. Ensuite, je mets mon bonnet en tissu par-dessus. Et enfin, je mets mon foulard pour vraiment apporter une source de chaleur et
permettre au masque de bien pénétrer. Maintenant que tout est sous scellé, je laisse poser environ entre 30 minutes et 2 heures. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À dimanche prochain. Bye.